Vous êtes plus de 200 ce matin au Gazette Café pour ce premier petit-déj de la lettre M de 2018 de l'année. Avec Philippe Sorel, donc, maire d'hiver gauche de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Et je crois qu'on peut l'applaudir quand même. Sur l'accord cadre que vous aviez signé avec Alès, Nîmes et Sète, agglomération, c'était en décembre 2016 au château de Castries. Donc ça fait que 13 mois. Donc vous parliez du design, de la culture et tout, mais vous pouvez donner des actions peut-être un peu plus concrètes en 13 mois. Vous avez avancé ? Alors nous avançons sur le projet, et là je vais donner un scoop, sur le projet de la création d'une agence de développement qui rassemblera nos partenaires et entre autres ceux que vous venez de citer, s'ils le souhaitent. La Méditerranée, pardon, vous avez annoncé un forum des villes de la Méditerranée, je crois, en 2019, sur le thème de l'écologie méditerranéenne. Vous pouvez en dire un peu plus que ça, à ce jour ? J'ai pensé que c'était bien de le faire avec les villes, et notamment avec nos villes jumelles amies et amies du golfe méditerranéen, afin de pouvoir partager leur expérience autour de l'écologie méditerranéenne. Ce colloque se tiendra entre le 6 et le 7 avril 2019, sur un week-end. Le stade de foot, le projet de stade de foot dans le quartier Cambacérès. Je confirme le fait que le projet sera présenté en juillet dans sa forme technique et sur la forme juridique. Et je pose une première pierre. Ensuite, il y a d'autres étapes. Mais je poserai la première pierre le jour du premier match de la Coupe du Monde. Première pierre. Et le stade portera le symbolique, peut-être, de Louis Nicolas. Par contre, je voudrais dire deux mots sur le stade de la Mosson. Mon idée, et je vais vous la dire pour la première fois, parce que je n'ai jamais dit ça. Mon idée, c'est de conserver les infrastructures du stade, les rehausser, de telle sorte que l'eau, en cas d'inondation, puisse passer par-dessous, et dans le creux laissé par les tribunes, installer des plateaux, comme ça s'est déjà fait ailleurs, pour y installer des entreprises.